Et salut tout le monde, c'est PlaySilver, on se retrouve enfin pour la suite de notre let's play sur Batman Arkham Asylum. J'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, nous allons enfin pouvoir poursuivre notre aventure. Nous devons nous rendre dans les jardins botaniques. Je ne sais plus exactement pourquoi, mais il me semble que c'est parce qu'il y a une activité suspecte. En tout cas, c'est sûrement pour ça qu'on doit y aller. Du coup, on va y aller. Mais avant cela, je suis revenu ici parce que bah, ça n'avait pas sauvegardé, donc j'ai dû refaire le petit combat. Le petit combat contre les sbires d'Harley Quinn. Et ici, il y a quelque chose. Je suppose que c'est pour un trophée de l'homme mystère. Hop. Donc, on va ouvrir la porte 5. Voilà, c'est bien ça. C'est pour un trophée. Je l'avais complètement oublié. Je suis juste revenu ici récupérer, du coup, la carte des trophées de l'homme mystère plus le rapport de Zaz qui était ici, l'enregistrement audio de Zaz qui était ici. Et j'ai vu que là-bas, il y avait, bah, il y avait des consoles. Du coup, voilà. Ceci explique cela. J'ai repris, enfin j'ai refotographié le truc de Mr. Freeze. Hop. Du coup, on prend notre magnifique petit trophée. Et en plus, il y a quelque chose ici. Alors, quoi? Ah non, c'est Harley Quinn qui était en train de, queener. Hop. Bon, au niveau des touches, ça devrait le faire. Vu que j'ai eu un combat juste avant, quand même. Je repris le travail, mais ne parvint pas à chasser ces images. J'aurais dû être écœuré, mais je brûlais surtout de trouver une explication à ces actes horribles. C'est tout? Oh bah c'était rapide! C'était rapide et c'est tant mieux. Oh oui, alors attendez, attendez, nous sommes piégés! It's a trap! Bon, du coup, hop, on va essayer de bien progresser aujourd'hui quand même, ce serait cool. Ce serait cool parce que... Alors, je me souviens de ce qu'on va faire dans le jardin botanique. Je me souviens très bien de ce qu'on va faire. Comment tu es sorti de là? Eh bah, c'est grâce à mon bat gel explosif, vous voyez. Hop. Et toi, tu ne sortiras jamais. Bref, du coup, voilà, on va se rendre au jardin botanique. Je sais ce qu'on doit y faire, mais alors, est-ce que ça va être long? A priori, non. Ça devrait pas être trop long. Enfin, je pense pas. Je ne pense pas. Hop. C'est tout calme. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un petit peu plus moins calme. Ah bah c'est moins calme. Oups. Elle ne s'en est pas mal tirée. Donnons-lui un B+. Ah bah plus. Et entre nous, je viserais plutôt le A. Et il me reste juste à mélanger quelques-uns de ces produits pour créer ma propre petite armée. D'accord. Alors j'ai cru voir qu'on pouvait passer là-haut. Mais honnêtement, est-ce qu'on a envie de passer là-haut? Vous avez envie de passer là-haut? Bon, vous avez envie de passer là-haut, très bien. On va aller récupérer du coup ce petit trophée que j'avais laissé la dernière fois. Comme ça, ce sera fait. Je n'aurai aucun regret. Hop. Je suppose que le bon... Bon, allez, au pif, je dirais que c'est lui, le bon. Hop. Puis au pire, on ne devrait pas tomber. Est-ce que c'est lui, le bon? Du premier coup? Eh ben non, pas du premier coup. Tant pis, du coup c'est peut-être lui le bon. Oui, c'est lui le bon. Hop, nickel, ça me fait un trophée supplémentaire. Oh, j'ai une amélioration. Alors je l'avais peut-être déjà prise la dernière fois, mais vu que ça n'a pas sauvegardé... Qu'est-ce donc? Améliore le séquenceur cryptographique pour déchiffrer plus facilement les systèmes de sécurité. Ah, ça pourrait être intéressant. Ouais, c'est pas très compliqué non plus, on va se prendre une amélioration... sympathique. Bah moi je vous propose hop. Ouais, une amélioration d'armure supplémentaire. Je devrais presque pas la prendre maintenant, mais trop tard, c'est fait. Hop. Alors, du coup, on va quitter cet endroit parce que je suis pas fan, hein, très clairement. Le pénitencier, c'est pas trop mon truc. Alors, tac. Mais là, c'est trop calme. Faut vraiment qu'on sorte. Faut qu'il y ait des ennemis, là. Des ennemis? Pas d'ennemis. Il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a que les gardes à terre. Ils sont toujours à terre, de toute façon, les gardes dans ce jeu. Bon. C'est bien par là, la sortie. Vérifions. Non, par là, c'est pas du tout la sortie. La sortie, elle est par là. Hop. Ah bah oui, mais ça doit être fermé. Je devrais pouvoir ouvrir maintenant. Alors, wow, le jeu, on se calme.
Les ralentissements. Je sais pas d'où ça vient, honnêtement. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de ralentissement comme ça. Hop. Allez. Ouh, on y est. Yes. Nickel. Ouais, j'espère qu'on n'aura pas d'autres ralentissements comme ça parce que... Parce que c'est pas terrible. Et il n'y a vraiment pas de raison. C'est juste que c'est... C'est un portage, hein. Le jeu a été développé pour console à la base, et la version PC, bah, en a fait les frais. Et encore, dans Asylum, ça va, c'est plutôt soft, hein, parce que... Bah, parce que dans Arkham City, c'est assez déconcertant. Alors... Mais on en reparlera en temps voulu, n'est-ce pas? Je suis pas au bon endroit, là. Oh là là, sérieux, je suis perdu. Attendez. Alors, tac... La sortie, elle est... Ah, mais elle est là, la sortie, d'accord. Il y avait 3 portes, j'en ai testé 2, les 2 n'étaient pas bonnes. Très bien. Alors... Une petite réplique de Batman, là, devant la cellule de Poison Ivy, ça serait sympa, du genre... Mais où a-t-elle bien pu passer? Allô? Hop. Alors, let's go. Bon, du coup, c'est une porte qui se trouve un petit peu sur le côté. Genre cette porte-là. Ah oui, bah oui, en plus, c'est une grande porte. Comment ai-je pu la louper, me direz-vous? Hop! Hop! Et bim! Là où ça fait mal. Oh, de l'eau. La caméra, s'il te plaît. Calme-toi. Tout va bien. De retour dans la baie de Gotham avec Jack Ryder. Jack, nous voyons que tous les accès à l'île sont interdits. La police et l'armée sont au point de contrôle. C'est vrai, l'île est efficacement isolée du continent. Rien n'y entre ni n'en sort. Les premiers rapports faisant état de la présence de Batman sur l'île semblent être confirmés. Ah hop. J'écoute la radio. Y'a rien. Ah, je suis déçu, y'avait rien quoi. Comme l'a dit Jack, nous ne le savons pas avec certitude, mais il semblerait que Batman ait été tué dans la tentative d'évasion. Restez ouais, je suis mort. Pour connaître les dernières informations. Je suis mort, donc bah, à plus. Oh, bonjour! À plus, c'est la fin du let's play. Hop, on est mouru. Tac. Est-ce que vous croyez qu'il y a quelque chose en dessous? Absolument pas. Hop, bon. Allez, let's go. J'avais dit qu'on avancerait un petit peu plus vite aujourd'hui. Bah, au final, c'est moi qui me ralentis tout seul. Eh, hey, mec! What? Bonsoir, pensionnaires de la ville du Joker. Certains de nos invités plus fous se sont incrustés tôt dans l'affaire. Et en parlant de film, j'entends oh. Vraiment psychotique. Oh le pauvre. Oh, comment il m'a feinté. Laissez-moi prendre mon trophée, s'il vous plaît. Hop. Bien, merci. Par où je dois aller? Alors, je suis désolé, je vais un petit peu couper la parole au Joker, hein, parce que... Il parle bien, mais bon, il parle trop. Je compte comme une petite surprise, il ne veut pas être dérangé. Compris. Non, mais c'est difficile de ne pas l'écouter, je veux dire, ses répliques sont trop cool. Bon, du coup, il prépare quelque chose, et il ne veut pas être dérangé. Eh ben, nous allons le déranger. En plus, il nous a ouvert la porte. Il me semble que c'était fermé, ici. Mais vous êtes censés être des humains, pas, je sais pas, pas les frères consanguins de Gollum. Je vous jure. Hop, il y a peut-être quelque chose par ici, ça me semble un peu suspect. Ouais, je savais que ça paraissait suspect. Hop. Bon. Tac, tac, tac. Voilà. Hop. Alors d'ailleurs, soit dit en passant, hein, on casse tout dans cet asile. Au final, c'est nous qui cassons le plus de choses. Les méchants, ils font la fête, tout ça, ils devraient pas être dehors, ok, mais celui qui casse, celui qui détruit l'asile, c'est Batman. Oui? Tu m'as parlé, Gollum? Allez. Precious! Hop. Alors, tac. Hop. De quoi la première est gratuite? Tac. Coucou. Salut, toi! Hop, Smeagol. Non mais, Batman, merci. Encore un frère de Gollum là-bas. Quoi, y en a un autre?
Hop. Et bim. Limite, on devrait passer par les airs, ce serait un peu plus safe. Enfin, plus safe, c'est pas comme si c'était compliqué de passer par le sol, vous allez me dire, mais... Coucou. Hop. 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 Ça n'arrive pas trop souvent. Oh là là, mais il est génial. Clairement. Bon, allez, on entre dans la serre de botanique qui est un endroit vachement sympa. Enfin, le bâtiment de l'extérieur est vachement classe, je trouve. Enfin, même à l'intérieur, remarque. C'est plutôt pas mal. Je dois suivre la trace d'Harley Quinn. Je ne peux pas perdre de temps à chercher la fabrique de Titan. Bon, en vrai, c'est pour plus tard. Hop. Ok, alors on a des ennemis armés ici. Ah oui, c'est vrai que normalement, fallait suivre ça. Ah. Fallait suivre ce truc. Oh, c'est autour des gardes de vie passée. Non, mais ça, c'est pas un mystère, je veux dire. C'est plus un mystère depuis très longtemps, depuis le début de ce let's play, même. C'est quoi, ce truc ? Je sais pas. Il est là ! Coucou ! Non, mais mec, voilà. Alors, Batman ne tue jamais ses ennemis. Jamais. Hop. Tac, 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 tac. Les vibrations de la manette, c'est dingue. C'est dingue. Ça vibre beaucoup trop. Hop, on ouvre la porte. Ok, alors, il y a combien d'ennemis ici? Il y en a 1, il y en a 2, il y en a 3, il y en a 4, 5 et 6. Ah, il y en a 6. Ok. Bon, on va essayer de gérer. Bon, de toute façon, ils ont un collier qui... Un collier de signalement. Donc, c'est pas bien grave. Si, je fais un petit peu de bruit. En fait, la meilleure chose, ce serait de les tuer rapidement. Enfin, de les tuer. Batman ne tue jamais. C'est mieux. Hop. Ah ! Vous ne m'avez pas vu ! Ah, par là que je voulais aller. Hop, c'est bon, ils m'ont perdu de vue. Ok. C'est compliqué de suivre quelqu'un qui se balance comme ça. En même temps. C'est vrai que j'aurais du mal, moi aussi. Bon, et bah du coup, maintenant, ça va être un peu galère. Alors toi, tu descends, ce sera pas, c'est cool. Je devrais m'occuper de ceux qui sont en haut, d'abord. Faudrait bien que ça reste comme ça. C'est là que les doubles éliminations, ce serait cool. Dans cet opus, il n'y en a pas. Le patron veut Batman. Hop. Tac. Tac. Eh non, j'ai pas sauté. J'ai pas sauté. Ah, je suis mort. Non. J'ai pas sauté. Bon, à ma décharge, cette salle est compliquée. Enfin, elle n'est pas évidente. Oui, le Joker, c'est bon. Tais-toi. Je sais ce que tu vas me dire, que j'aurais pu mieux faire. Eh bah oui, je le sais que j'aurais pu mieux faire. Bon, on va la refaire en mieux. Limite, je devrais m'occuper de ceux qui sont en bas d'abord. Hop, bon, tant pis, on refait la même. Tac, je refais la même. Limite, c'est là que je devrais m'occuper de ceux qui sont en bas. Mais il y a déjà plus personne en bas. Ah si, il y en avait un encore. Toi là. Je t'ai. Ou pas. Oh, je l'ai eu. Ah, ça l'a mis KO. Oh. C'est génial. Hop. Bon, on fait comme s'il n'y avait pas d'ennemis. Tac. Voilà, il n'y a pas d'ennemis dans cette salle. Bon, allez, on va se concentrer un tout petit peu parce que c'est bien beau de parler, mais ce serait bien d'avancer aussi. Bon, il reste 3 ennemis. 4 ennemis. C'est vrai qu'il y en a beaucoup ici. Hop. Bon, c'est pas la salle la plus compliquée, mais elle est pas évidente. Non, mais Ella, je peux pas lui faire... Salut. Bon, attends, bah tant pis. Je te couvre. En étant suffisamment discret, j'aurais pu passer sans me charger des ennemis, mais c'est quand même cool de se charger des ennemis, ça fait attends, toujours de l'XP. Attends, je viens avec toi. Oui, bah... Décidez-vous un moment.
pas attendre 20 ans ici. Allez, les gars. Non mais restez pas tous là. Comment voulez-vous que j'avance? Comment voulez-vous que je vous mette KO si vous êtes tous là? Ah, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire. Tic, 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 tic. Bon, c'est pas la meilleure idée que j'ai eue, ça. Oh, si, c'est bon, il y en a qu'un qui est en haut. Ah, non. Yop. Ouh là là. Je suis passé, je ne sais pas comment, mais je suis passé. Ah, elle est relou, cette salle. Voilà, on va quand même pas passer 20 ans ici. Et il me semble, si mes souvenirs sont bons... Si mes souvenirs sont bons, cette salle, on va la faire 3 fois au moins. Ça va être compliqué. Bon, par contre, descendez, s'il vous plaît. Venez par ici. Non, vous voulez pas? Eh ben, ils veulent pas. Hop. Et maintenant que je monte, ils vont descendre, c'est ça? Ne descends pas, ne descends pas, ne descends pas. Non, caméra, tourne-toi pas! Alors là, vous noterez que c'est de la faute à la caméra. Moi, j'ai rien fait. La caméra, elle s'est tournée toute seule. Histoire que je ne puisse pas viser l'ennemi. Oh, il y a un truc là-bas. Oh non, venez pas tous ici. Ok. Il ne m'a pas vu. Mec, ne te tourne pas. C'est bon. Ok, ok, ce mec est un abruti. Ce mec est un abruti, je stresse là. Ce mec est un abruti. Ah d'accord, il vient seulement de le remarquer. Pourquoi pas. Bon là je vais être très prudent, je me prends un coup, je suis mort. Ce qui manque à ce jeu, c'est le fait de pouvoir siffler. Siffler, ça serait bien. Est-ce que toi tu vas me voir si je sors d'ici? Putain, je suis sûr qu'il va me voir. Oh, excusez-moi, j'ai été vulgaire. Je vous ai raconté mon combat contre Batman sur le toit de la bibliothèque de Gotham. Il ne fait pas si peur, il n'est rien, et sûrement pas un homme. Ok, toi tu fais quoi? Juste, ne te tourne pas, merci. Bon allez, il m'en reste que un. Normalement ça devrait être bon, hein, si Batman fait pas n'importe quoi, et il devrait venir tout seul, jusqu'ici. Voilà. Gentil garçon. Bon, ben, on va se le faire tranquillement. Il est là-haut, dans les arbres, comme le rongeur volant qu'il est. Je suis pas un rongeur. On dirait qu'il nous a laissé un cadeau. Mec, t'as un problème, hein, je crois. Hop, bon, bah. Tac. Ok, c'est bon, on s'en est sorti. À deux reprises seulement. Donc, c'est plutôt cool. On s'y est repris deux fois. Ça passe. Ça passe, ça passe. Une armée de monstres. Alors attendez, normalement ici il y a... Voilà, ici. Hop, un petit clin d'œil. Oh, chapelier fou. Tac. Et j'ai cru voir un truc là-bas. Là-bas, là-bas, là-bas. Hop. J'avais à peine remarqué que j'étais en vision détective, quoi. La couleur est exactement la même. Enfin si, je l'avais remarqué, mais je l'avais oublié. Ah, il y a peut-être rien, c'était juste... Ouais, si, il y a quelque chose. Nickel. Ça aurait pu être un simple passage pour passer discrètement. Non mais j'étais un peu occupé juste avant, s'il te plaît. Mec. Du coup, c'est pas où je dois aller, moi? Ça doit être par là. Hop. Ça doit être cette porte-ci. Ouais, c'est cette porte. Bon, allez, on continue. Il faut arrêter ça. Avant que ça aille trop loin. Arrêtez ! Tout le monde crève d'envie de voir la suite du plan. Relâche-le. Allez. Vraiment? Ok, si tu le dis, Batman. Non. Il faut vraiment que tu te bouges, Batman. À ce rythme, tu ne mourras jamais.
Bah, cela dit, Batman, tu peux parler. C'est ce que tu fais tout le temps, toi, électrocuter les autres. Donc bon. Alors, que dois-je faire? Ah, c'est vrai qu'on a un détour à faire ici. Bon, les ennemis sont pas revenus, non, c'est bon. C'est bon, merci beaucoup. Hop, il va falloir aller couper le jus. Tac, et ben on va faire ça. Hop. Vous vous souvenez des Wayne? Comment pourrait-on les oublier? Alors, il me semble que c'est un truc ici. J'ai trop petit, je peux pas faire plus grand. Voilà, merci. Hop. Bon, alors, c'est un épisode avec des ralentissements qui viennent d'on ne sait où. Et pas trop de skill de ma part. Hop. Donc, c'est un petit peu dommage. Tac. Coucou. Allez, mec. Hop. 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 Non, mais... Mais passe derrière, crétin! Tac. 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 Allez, on se concentre. Oh mince. Voilà, nickel. Bon, c'était pas terrible comme combat, hein. Mais rien n'est terrible dans cet épisode, c'est un peu dommage. Attendez, attendez, monsieur, j'ai envie de... Je visite. Moi, je suis là, je viens pas tous les jours, donc je visite. Bah, monte. Merci. Hop. Alors, là, normalement, je devrais pouvoir passer avec un peu de chance. Ouais, l'interrupteur est ici. D'où l'utilité d'avoir récupéré, du coup, le fréquenceur longue portée. Le séquenceur, pardon, pas le fréquenceur. Hop. Allez, on y est presque. Ça vibre. Ah, là, on y est. Oh, oui. Hop. Merci. Merci beaucoup. Du coup, on récupère ce petit trophée de l'homme mystère. Ça fait plaisir. Eh, y a aucun sujet ici. Ah, il y a une carte. Je l'avais pas vue. Ok, nickel. Alors, hop, bon, bah, on va aller sauver le monsieur. Bonjour. Merci. De rien. Ça va? Oui. Ça va. Je ne fais qu'une bouchée des voyous. Oui. Que faisait-il ici? Ceux qui ne me frappaient pas ont commencé à toucher les commandes d'alimentation, là-bas. J'ignore pourquoi. D'accord. Eh ben moi je sais pourquoi. Because I'm Batman. On dirait que le Joker a piégé ce motif de commande. Ce sera plus dit. Ouh, Poison Ivy. Pamela Lillian Isley. 12 novembre, 11h33. Bonjour Pamela, comment allez-vous aujourd'hui? Bien, aujourd'hui est un jour spécial. Que voulez-vous dire? C'est l'anniversaire de ma nouvelle vie, quand j'ai trouvé mon vrai moi, ma destinée. C'est ma destinée. Avec le docteur Woodrow? Oui, à quoi d'autre? À l'époque, je pensais que Jason m'avait empoisonné, mais avec du recul, il m'a rendu un énorme service. Et pourquoi croyez-vous qu'il vous a... Il m'a montré le plus grand monde, un monde que je devais protéger. Bien sûr, ma première offre a été rejetée. Offre? Vous avez essayé de tuer tout le monde à Gotham? Parfois, il faut aller dans le vif du sujet pour avoir une meilleure pousse. Mm-hmm. Difficile qu'avant. Tailler. Il faut vraiment que je prenne ce risque. Quoi? Je dois faire quoi? Tailler dans le vif du sujet pour avoir une meilleure coupe. Une meilleure pousse. Attendez, quoi? Je dois faire quoi? Ah d'accord, je dois faire ça. En empêchant que ça explose de préférence. Tac 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 tac. Je sais pas si vous entendez la vibration, parce qu'elle fait quand même beaucoup de bruit. Mais c'est assez scandaleux. Tac 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 tac. Ok, nickel. Bien. Et il n'y a plus de courant, donc on va pouvoir passer. Et ça, c'est plutôt cool. On dirait que j'ai coupé. Allez, on y retourne. Ce générateur. Hop.
Et je suppose qu'on va encore avoir des ennemis dans la salle Predator précédente. Cette salle qui m'a bien fait galérer. On sent qu'elle a charme de mon Batman. Toujours un train d'avance. Ouais, toujours. Attends. Dans très peu de temps, je serai à la tête d'une armée de monstres titans. Imagine, moi, porté dans les rues, marchant sous les corps de tous ces citoyens innocents. Ouais. Ça va être magnifique! J'ai trop hâte! Moi, j'ai pas trop hâte. Je n'ai pas trop hâte. Enfin, j'ai envie de t'arrêter et je t'arrêterai. C'est un petit peu mon métier, tu vois. Hop. Hop. Alors. Là, pour l'énigme, je ne sais pas du tout ce dont il s'agit. Je ne sais plus du tout ce dont il s'agit. Ah, au pire. C'est pas bien grave. Allez, on va passer par ce conduit. Hop. Et on avance. On avance parce que nous sommes toujours en train d'avancer. Alors, il y a plusieurs chemins? Non, il n'y a pas plusieurs chemins, d'accord. On fait juste un petit détour. Là, ça doit être le bon chemin. Il y a peut-être quelque chose par là. Ah, c'est peut-être là le bon chemin, en fait. Donc, il y a peut-être quelque chose par là. Yes. Il y a des champignons qui poussent dans les conduits. Non, mais sérieusement, c'est quoi cet entretien-là? Hop. Bon, allez, go. On ouvre la grille. Et on avance encore et toujours. Hop. Tac, tac. On casse encore un mur parce qu'on aime casser des murs. Boum. Waouh. Ok. Qu'est-ce qu'une porte vient faire ici? On ne sait pas, mais il y a une porte. Non, on est de retour dans les catacombes. D'accord. Ah non, je vais bien devoir passer par là. Sérieux? Qui parle? Par où je dois passer? Alors attendez. Ah, peut-être par là-bas. Hop. Ok. Alors il me semble qu'il y a un trophée de l'homme mystère. Ah, je peux peut-être y aller par là directement. Ouais, je peux y aller. Nickel. Voilà, celui-ci, je m'en souvenais. Hop, du coup, on récupère ça. Et du coup, j'ai vu où se trouvait la porte. Et ben, on va y aller au niveau de cette porte. Hop. Alors. Oh, c'est casse-tête cet endroit, je vous jure. Il y a un trophée ici aussi, mais je ne sais plus du tout comment on fait pour y aller. Je crois qu'il y a tout un truc d'escalade à faire. Du coup, on ne va pas le faire. Hop. Parce que faut arrêter le Joker quand même. Ça me semble plutôt important. Hop. En plus, il est en train de péter des câbles, le pauvre. Ah, je pourrais... Ouais, mais... Ah, c'est même pas pour ça. Bon, allez, on avance. Et on va voir ce que nous veut le Joker. Go! Ah, le Joker, il est pas là. C'est pas un frigo, ça. Non, c'est pas un frigo. Ce n'est pas un frigo. Hop. Allez, on grimpe. On devrait bientôt arriver. À l'aide! Réponds-lui! Pitié! Arrêtez! Je vous ai dit ce que vous vouliez savoir. Vous avez tout le monde. Pitié! Laissez-moi partir. Et tu promets de ne pas révéler le plan du Joker? Alors d'accord. Relève donc ce type et tire-lui. Jamais! Ah, vous ne le tuerez pas! Trop de sang a déjà coulé. Beaucoup de sang de ma main, mais beaucoup trop de sang quand même. Salut. Bonjour Jordan. Vous allez bien? J'ai l'air d'aller bien. Ils étaient prêts à me tuer. On se cachait dans la volière. Et ils sont arrivés avec le Joker. Ils ont tiré partout et nous ont mis dans des cages. Ils y sont encore? Personne. Personne n'est sorti. Vous devez les aider. Restez là. Oh, restez là. Je vais les aider. Because I'm Batman.
Très bien. Ah, j'avais complètement oublié ceci. Enfin, maintenant qu'il a parlé de la volière, ça me parle. Mais c'est vrai que j'avais complètement oublié qu'il y avait ça à faire. Est-ce que c'est par là que je dois aller? Non, ce n'est pas par là. On va dire que j'aurais pu passer par là s'il n'y avait pas eu cette explosion du Joker. Bon, bah écoutez, on avance. Ah, j'ai une amélioration, on va la prendre tout de suite. Ce que je propose... Bah attendez, on va prendre cette amélioration qui est là depuis le début. Pas très intéressante, c'est élimination inversée. Ouais, quoique si en fait. Si, si, elle est intéressante parce que depuis le début, je n'arrive pas à faire mes éliminations inversées et c'est à cause de ça. Du coup, ça reste quand même pas mal. Aucun sujet. Ouh, alors attendez, une cassette. Entretien avec un patient, Pamela Liliana Isley, 14 novembre, 10h20. Bonjour Pamela, aujourd'hui je voudrais revenir sur une chose que vous m'avez dite la dernière fois. Demandez-moi ce que vous voulez. Vous avez dit que votre première offre pour aider Gotham avait été rejetée. Comment pouvez-vous croire une telle chose? Que voulez-vous dire? Vous avez libéré des milliers de spores toxiques dans Gotham, tué des centaines de gens. En quoi cela est-il? Les corps ne m'intéressent pas, docteur. D'horribles dames chères détruisant mes pauvres bébés avec leur cupidité et leur arrogance. Mais n'êtes-vous pas un de ces dames chères? Vous étiez médecin aussi. Comment pouvez-vous nous tourner le dos? Assez facilement, comme vous le voyez. Mais pas à vous, Stéphane. Vous êtes différent. Je sens un lien entre nous. Ah oui? Vraiment? Bien sûr. Il est intéressé, le monsieur. C'est vrai que ça, c'est le cas typique de méchant qui, pour tout le monde, l'être humain, est, c'est un tas de chair sans grand intérêt. Mais qui, ce méchant en question, ne se reconnaît pas dans ce tas de chair alors qu'il en fait partie. C'est toujours un petit peu comme ça. C'est un petit peu bête, je dois vous l'avouer. Allez, pitié, je dois sortir de là. Vous inquiétez pas, je vais vous sauver. Batman arrive. S'il débarque, on expédie les médecins en enfer. C'est là, en bas, pitié. Ouais. Ouh, je dois pas me faire repérer. Bien, attention. Si un collier se déclenche, c'est que Batman est là. D'accord, alors là, je dois vaincre personne. Les hommes du Joker portent tous des colliers de sécurité. Je dois d'abord liquider l'opérateur. Ouais. Si mes souvenirs sont bons, c'est pas évident. Oh, ok, il y a moyen qu'on s'en sorte, je pense. Chance. Ouais, aucune. Tac. Hop, il va falloir que je trouve un chemin plutôt sympa. Hop. Mais on va essayer de s'en sortir. On va y arriver. Hop. Voilà. On monte. Tac, tac, tac. Où est-ce qu'ils sont les ennemis? L'opérateur, il est dans cette salle. Si mes souvenirs sont bons. Hop. Mais normalement, il y est. Alors, on va se concentrer un petit peu. Ce serait bien de réussir cette épreuve du premier coup. Celui qui pourrait me gêner, c'est celui qui est en face, là. Est-ce que je pourrais faire un saut directement d'ici? Vous y croyez? Ah non, j'y crois pas, en fait, moi. Bon, attendez. Hop, on va passer par là, c'est pas grave. Ça nous rallonge pas beaucoup. Attention, faut pas qu'il nous voit. Toi, tu descends pas, je suppose. Non, tu descends pas. Ok. Comment je vais pouvoir faire ici? Ah, il y a une échelle là-bas. Ah, oh, sérieusement? Si je remonte devant l'ennemi, je pleure. Tu remontes où, Batman? Ah ouais, d'accord, au tout début, tu plaisantes pas. Oh bah ça fera l'affaire, nickel. En fait, ça aurait été beaucoup plus rapide de passer comme ça. Oh mince! Non! Ah mince! Je pensais pas qu'il m'entendrait, même si... Bon, c'est vrai que j'ai couru. Je pensais pas qu'il m'entendrait. Je t'ai coupé les ailes comme un simple... Je suis pas concentré aujourd'hui, c'est pas terrible. C'est clairement pas terrible. Bon, attendez, on va la refaire en mieux. Au pire, je ne courrai pas, pas de précipitation. Très bien.
expédie les médecins en enfer. C'est là, en bas, piché. Ok. Ouais, ils vont plonger. Alors d'ailleurs, l'opérateur hein, qui a activé son levier alors qu'il, était en train de me tirer dessus. Si un collier se déclenche, c'est que Batman est là. Ok. Les hommes du Joker portent tous des colliers de sécurité. Je dois d'abord liquider l'opérateur. Toi, retourne-toi. Fuis. On doit l'arrêter. Ouais, je dois m'arrêter. Tu veux pas plutôt te retourner ? Bien. Allez, retourne-toi. Non mais, fais pas comme si tu sentais que j'étais ici, retourne-toi. Non, tu veux pas ? Merci. Ok. Alors lui, il est ici. Tac, attaque, attaque, tac, 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 tac. Voilà. Ça ferait bien de pas nous chercher. On attend... Il va falloir que je fasse attention à lui, parce que s'il me repère, celui qui est en haut, eh bien, même si c'est l'opérateur et que... Hop. Et qu'il n'est pas censé pouvoir appuyer sur le levier s'il n'est pas à côté du levier, eh ben j'aurais quand même perdu. Hop. Voilà, nickel. On a liquidé l'opérateur, donc ça c'est parfait. J'ai mis fin à la principale menace. Mais les otages sont toujours en danger. Tac... Ok. Tu as deviné mon plan, hein, Batman ? Allez, on reste concentré. Tant pour toi, tu t'es souvenu des alarmes du Joker ? Bah, c'est pas comme si t'en avais parlé juste avant. Incapable. Il est là ! Il ne doit pas me trouver ! Oh, je me rappelle de par où il faut aller. Hop. Bon, allez, on va se les faire rapidement. Enfin, rapidement. Proprement, plus que rapidement, en fait. Les trois sont réunis au même endroit. Il y aurait moyen de faire quelque chose de pas mal, mais on va pas tenter le diable. On est mort trop de fois bêtement aujourd'hui. Ouais, c'est ça, toi. Retourne en arrière. Toi, tu ne bouges pas. Tac. Hop. Oh mince! Boum! Encore un qui mord la... Ok, ça m'a re-TP au début. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, on reste concentré. Quelqu'un a un plan? Faut le trouver, sinon c'est notre tour. C'est moi ou il y a un corps dans le mur là-bas? J'ai l'impression qu'il y a un corps dans le mur. Bon allez les gars, bougez un petit peu. Voilà, merci. Je m'occupe de ce coin. Ok. Non mais arrêtez de vous suivre comme ça. Faites quelque chose, bougez. Ok, toi t'es bon. Toi, retourne-toi s'il te plaît. Eh mais ils veulent pas coopérer aujourd'hui hein. Ils ne veulent pas. Tu peux pas te retourner, clairement. Tant pis, on va se faire celui-ci. Hop. Chopez-le les gars. Tac. Voilà. Nickel, et on va se faire le dernier qui est un petit peu relou pour le coup. Hop. Coucou. Tac. Voilà, bien. Bon bah finalement ça s'est pas trop mal passé. Ok. Du coup on libère les otages. Ouh, il y a un enregistrement là-bas. Il y a un enregistrement. Le Joker voulait faire surveiller l'entrée de la fabrique de Titan. Je dois reprendre la piste de Harley pour la retrouver. Ok. Alors ça, on le verra la prochaine fois parce qu'on va se laisser. Mais avant cela, on va aller écouter rapidement ce petit enregistrement audio. Et après, on va parler rapidement au
aux otages, qui ne sont plus des otages. Mais alors, avant cela, Poison Ivy. C'était rapide. Et moi, voilà, c'était rapide. Il est tombé sous ses charmes. Ah, bon, bonjour Robert. Désolé, je croyais travailler pour Young. J'ignorais que c'était un coup du Joker avant de le voir au labo. Où est ce labo? Il est par là. On me fait entrer avec un pass. Il y a une porte cachée, mais elle est cachée. Je trouverai. T'es demeuré? On m'y fait entrer avec un pass. C'est une porte cachée, mais elle est cachée. Bah, elle est où, idiot, si tu rentres par cette porte avec ton pass? Bon, en vrai, je sais où est-ce qu'elle est, parce que je m'en souviens. Bonjour, Luc. J'ai bien cru que j'allais m'évanouir. J'ai le vertige. Alors, pourquoi tu regardes vers le bas? Mais c'est quoi ces demeurés? Bref, en tout cas, on va cesser ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, malgré pas mal de fail. Non, mais il y a bel et bien un cadavre, là-haut. Oh, et ben voilà, mystère résolu. J'espère que cet épisode vous aura plu malgré pas mal de fails. Je vais essayer de faire mieux pour la prochaine fois. Alors d'ailleurs, ce coup-ci, peut-être que je ne vais pas enchaîner le tournage avec un autre épisode, ou alors il n'y en aura qu'un autre. Ça fera qu'un seul épisode et non pas 3 ou 4 comme les fois précédentes. De toute façon, vous verrez ça pour la prochaine fois, si j'ai eu l'occasion de voir vos retours ou pas. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, bien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et on se retrouve donc très bientôt pour la suite. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.